Chefi Andi Ladio Muzulu. Bonjour chers papas et mamans et bienvenue dans votre émission Les Kimbanguisme, une civilisation. Dans cette émission, nous essayons de comprendre ce qui fait que le Kimbanguisme est plus qu'une simple religion, mais toute une civilisation. Et pour ce numéro spécial 25 mai, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Papa Diacre Mayala. Papa, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et pouvez-vous vous présenter rapidement pour notre audience d'aujourd'hui? Bonjour maman Kevin, merci de m'avoir accordé la parole. Donc je m'appelle Monsieur Mac, communément on m'appelle Monsieur Mac, Monsieur Koki Mayala. Donc je suis président de l'IGK à la place de Paris Saint-Denis. Je suis chercheur indépendant en Kimbanguisme. Merci papa. Alors nous allons tout de suite rentrer dans les vifs du sujet. Papa, le monde aujourd'hui connaît la date de naissance de Jésus-Christ. En tout cas, à travers le monde, nous célébrons cette naissance-là le 25 décembre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette date du 25 décembre, qui est la date officielle finalement de la naissance de Jésus-Christ? Merci maman Kevin pour la question que vous venez de poser, préciser. Oui, effectivement, la date du 25 décembre, c'est cette date que nous avons connue depuis un certain moment. Et nous savons comment elle a été imposée au niveau des l'Église, quoi. Donc c'est une imposition, c'est pas une date vraiment qui a été une vraie date, quoi. C'est une date qui est arrêtée par l'Église romaine, quoi. C'est l'Église romaine qui nous a imposé cette date. Mais aujourd'hui, avec les recherches qui ont été faites, cela montre que cette date n'est pas vraie. C'est une fausse date qu'on nous a communiquée. Aujourd'hui, les recherches qui ont été faites montrent qu'effectivement, Jésus-Christ ne pouvait pas naître au mois de décembre. Et quand on voit le climat dans lequel se trouvait à cette époque-là, les bergers qui étaient dans la campagne, donc ce n'est pas au mois de décembre qu'on pouvait faire allusion à la naissance de Jésus-Christ, puisque les bergers parquaient dans la campagne. Et quand ils parquaient dans la campagne, ce n'est pas au mois de décembre que cela se fait. Donc c'est contrairement à la réalité de l'histoire, de la saison, ce n'est pas au mois de décembre qu'on peut situer la véritable naissance de Jésus-Christ. La plupart même des chercheurs là-dessus, des chercheurs de l'histoire sacrée, nous disent très bien que le mois de décembre n'a pas un fondement dans l'histoire, quoi. Pour dire que Jésus-Christ est né au mois de décembre, puisque quand on lit les évangiles, donc c'était moi qui ne peut pas être, qui n'a pas de fondement, et puis voilà, c'est clair que c'est une imposition qui nous a été faite par l'Église romaine. Donc aujourd'hui, il me semble que personne ne peut être capable de tenir un discours devant la télévision, devant même les chercheurs, pour avancer que Jésus-Christ est né au mois de décembre. Sinon, il se fera ridiculiser. Nous savons très bien qui est né au mois de décembre. L'histoire de l'Égypte nous donne très bien quel est ce personnage qui est né au mois de décembre. Et c'est clair là-dessus. Et en parlant justement de ce personnage, donc nous parlons bien de Jésus-Christ, et à travers le monde, aujourd'hui, nous avons plutôt ces débats-là. Jésus-Christ était-il blanc ou noir? Parce que nous savons qu'il est né à Bethléem, mais son identité aujourd'hui, disons, cause problème ou en tout cas entraîne des débats autour de cette communauté du christianisme. Pouvez-vous justement nous dire un peu ce que vous avez pu découvrir à travers vos recherches, pardon? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent également la question là-dessus. Mais il faut être clair là-dessus. Jésus-Christ n'était pas blanc. Jésus-Christ était noir. Jésus-Christ était noir comme nous autres Africains. Et là, il n'a même pas d'inconvénient. Et juste il n'y a pas longtemps, nous avons vu le président Poutine. Le président Poutine nous a montré la vérité également, là. Cette vérité qui était cachée. Mais aujourd'hui, le mensonge apparaît dans toute sa nudité. Le président Poutine nous a dit que Jésus-Christ était noir. Et moi-même, les recherches que j'ai faites montrent que la plupart des vierges, ils étaient des noirs. Même ici à Paris. J'ai apporté un livre là qui est écrit par un Français. C'est ça, le livre. Le livre du monde du passé. Et dans ce livre-là, vous allez voir que
Même ici à Paris, la plupart des vierges étaient des noirs. Notre-Dame de Paris était noire. On cite même un grand nombre de villes qui sont ici à Paris. À Chartres, à Druide, à Marseille, il y avait des temples. Et dans ces temples, on voit que des figures de la Vierge noire. Notre-Dame de Paris, c'était un temple qui était dédié à la Vierge noire, puisque le nom de Paris, c'est une altération du nom Parisis. Nous connaissons bien que nous habitons ici en France. Il y a une ville qu'on appelle ville Parisis. Et le mot Parisis, c'est un nom qui dérive d'une Vierge noire, d'une Africaine qui s'appelle Isis. Isis était la femme d'Osiris et Isis était noire. Donc la ville de Paris a été dédiée à Isis, à la femme d'Isis. Notre-Dame de Paris, c'était Notre-Dame d'une femme qui était noire, donc Isis. Isis, une dame noire. Donc la plupart des vierges étaient des noires. Et il y en a pas mal ici, ici en Europe. La plupart des temples qui ont été construits, là-dedans, on trouve qu'on ne vénérait que des vierges noires. Et Jésus-Christ était noir même. Le nom de Mariam. Si on suit bien la logique des choses, il était noir. Il n'était même pas blanc. Ça ne sert à rien. Même dans ce livre-là. Je ne peux pas encore aller la plus loin parce qu'on n'a pas le temps. Il est bien marqué que Jésus-Christ était noir. Donc il n'était pas blanc. Et pour dire, il n'y a même pas ça. On peut aller remplir même dans les recherches. Jésus-Christ était noir. Et ça, c'est la vérité. C'est la vraie histoire de Jésus-Christ était noir. Si M. Poutine nous a sorti cette vérité, c'est une vérité qui était cachée depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les mensonges apparaissent dans toute sa nudité. Jésus-Christ était noir. Et c'est les mêmes démarches qu'a fait même Jean-Paul II. Jean-Paul l'a bien souligné. Ça, la question même a été posée même quand Papa Simon était arrêté. Puisque Papa Simon était arrêté, à Mazangongo, on a posé cette question-là. Quand Jésus-Christ viendra, il va naître dans quelle nation? Papa Simon a répondu, c'est comme il était venu. Il était noir, il serait dans la nation noire. Et si j'ai encore avec moi un livre-là, qui a été écrit par un chercheur également, qui s'appelle Le Retour du Christ. Le Retour du Christ. La question également a été posée ici. Et l'auteur nous souligne très bien. Juste pour montrer. Voilà, c'est Le Retour du Christ. C'est écrit par un Français. Donc dans nos recherches, nous avons trouvé également là, la question a été posée également. C'est la nation même dans laquelle Jésus-Christ va appartenir, mais qu'il appartenait auparavant. Mais c'est dans la nation noire. Jésus-Christ est noir. Donc là, il n'a même pas de confusion. La vraie histoire, elle est là donc. Voilà. Mais papa, vous nous dites que Jésus-Christ, il était bien noir, et vous l'affirmez. Oui. Mais quand nous allons dans les écrits, justement, on nous dit que Jésus-Christ était né à Bethléem. Mais Bethléem était-il en Afrique pendant ce temps-là, où il y a eu justement l'histoire a été aussi falsifiée et que la naissance de Jésus-Christ était pas seulement, il était peut-être né en Afrique comme nous l'imaginons, mais l'histoire, est-ce que Jésus-Christ, il était né à Bethléem ou il était né dans un petit village là-bas en Afrique? Vous nous dire justement, non. Même sur le lieu de naissance, parce que étant donné qu'il était noir, est-ce qu'il était noir justement là-bas à Bethléem ou sa naissance, nous ne savons pas vraiment. Il y a même débat justement. C'est pour cela que je tenais vraiment à ce que vous nous expliquiez même les lieux de naissance de Jésus-Christ et comment ça affecte en fait même le débat sur sa couleur de peau. Parce que la plupart des gens, ils disent oui, ils revendiquent Jésus-Christ, il était bien noir et il était né en Afrique. Donc l'histoire que nous lisons dans la Bible n'est pas la vraie histoire de Jésus-Christ. Non, c'est-à-dire que l'histoire, elle est là, mais au niveau, c'est vrai, nous savons qu'il y a pas mal d'écrits qui ont été falsifiés, nous savons très bien pourquoi ils ont falsifié. Et ils ont falsifié ces écrits tout simplement pour un problème génétique, c'est ça. C'est pour un problème génétique. C'est pour ça qu'ils ont falsifié l'histoire de Jésus-Christ, puisqu'ils savaient bien que Jésus-Christ était noir. Donc il ne fallait pas laisser ça comme ça. C'est la raison pour laquelle ils ont falsifié les écrits bibliques. Ça, nous savons très bien. Mais que ce soit en Palestine, que ce soit en Afrique, la terre de Canaan, à cette époque-là, il y avait également des Noirs qui habitaient là, en Palestine, comme ici en Égypte, comme ici en Afrique également. Mais ce que nous savons, Jésus-Christ était noir. Donc ça, il n'y a pas vraiment à discuter là-dessus. Jésus-Christ était noir. D'ailleurs, quand je dis par exemple que M. Poutine aujourd'hui nous a révélé cette vérité, il a dit qu'effectivement, Jésus-Christ était noir. Puisque la plupart des vierges qu'on a trouvées, c'était des vierges noires. Et l'histoire nous montre que Jésus-Christ était noir. Donc là, il n'y a pas de doute. Qu'il soit né en Palestine, ou en Afrique, mais ce qui nous importe, c'est que sa pigmentation était noire. Donc nous devons dire la vérité là-dessus. Donc il n'y a pas à discuter. Et je sais même Papa Dengen avant de nous l'affirmer. Il a dit que Jésus-Christ n'était pas blanc. Il a dit ça à Papa Dengen avant de dire que Jésus-Christ n'était pas blanc. Jésus-Christ était noir. Donc ça, c'est une vérité. Donc. Infalsifiable, on ne peut pas falsifier. Nous connaissons cette vérité et c'est pour cela que nous tenons toujours à les dire tout haut, fièrement, et dire la vérité. La vérité, il faut la dire toujours. Donc quand M. Poutine a dit cette vérité, on ne l'a pas poussée. Et c'est pourquoi il a dit ça.
Et c'est pourquoi elle a dit ça. Et quand Jean-Paul II a dit, par exemple, que Jésus-Christ est africain, et c'est pourquoi elle a dit ça. Mais vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais pour ne pas choquer certaines personnes, c'est pour cela qu'on nous cachait cette vérité. Mais aujourd'hui, les mensonges apparaissent dans toute la nudité. Donc voilà, en quelque sorte. Oui, merci beaucoup, papa. D'ailleurs, en parlant de cette révélation du président Poutine, pensez-vous qu'il y ait vraiment... pourquoi, en fait, l'Occident a voulu cacher cette vérité-là jusqu'à présent? Et aujourd'hui, nous continuons justement de célébrer cette date du 25 décembre. Pourquoi, avec toutes les... Tout ce que nous avons pu trouver comme vérité, les recherches qui ont été faites justement pour pouvoir sortir cette vérité-là, aujourd'hui, disons, un grand nombre de christianisme ont accepté cette vérité-là, que Jésus-Christ, il n'est pas né en décembre. Mais pourquoi continuons-nous à célébrer ou encore à nous voiler la face que Jésus-Christ, il était blanc et qu'il est bien né les 25 décembre. Pourquoi il y a cette vision, nous continuons toujours à perpétuer ce mensonge, entre guillemets, si on peut le dire. Ce mensonge a été fondé par l'Église romaine. C'est l'Église romaine qui est à la base de tout cela. Et je vous ai dit que c'est un problème génétique. Ça ne pouvait pas passer. C'est un problème génétique, tout simplement. Et l'Église romaine a beaucoup changé. Il a beaucoup changé ce qui était dans les écrits sacrés. Quoi. Donc, c'est eux qui sont à la base de tout cela. Mais comme je dis, avec le temps, la vérité finira par triompher. Aujourd'hui, nous assistons à cette vérité. Et quand la vérité arrive, il n'y a aucune bombe qui peut détruire la vérité. Mais ce vérité, justement, ce problème génétique, mais en quoi ça nous affecte aujourd'hui? Non, ça dit, ce n'est pas un problème d'affectation, mais c'est un problème de dire la vérité. Quand une chose est blanche, il faut dire qu'elle est blanche. Quand elle est noire, elle est noire. On ne peut pas apprendre à nos enfants qu'une personne porte une couleur, sa chemise qu'elle porte est en couleur rouge, alors la chemise est en couleur noire. Il faut dire la vérité. Sinon, les enfants, quand ils vont apprendre tout ça, ils disent, mais pourquoi m'avez présenté une chemise noire, alors la chemise elle est rouge? Donc, ce qui importe, c'est de dire la vérité. La vérité est très importante. Quand il y a la vérité, il faut la dire. Mais nous savons pourquoi ils ont fait tout cela. Nous savons pourquoi. Comme je veux dire, c'est un problème génétique. Quelque part, ça dérangeait. Et il fallait changer ces écrits-là. Et nous savons la démarche qui a été faite. Mais aujourd'hui, ces mensonges viennent de le rattraper. Et l'histoire, nous allons justement rentrer vraiment dans le vif du sujet de notre conversation aujourd'hui, du 25 à mai. Du 25 mai, cette date marque la naissance de Papa Dialungana Kyangani Salomo Paul. Né là-bas en Kamba en 1916, Papa, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce personnage emblématique au sein de l'Église kimbanguiste et aujourd'hui que nous déclarons étant le Jésus-Christ venu dans sa seconde venue? Merci beaucoup pour la question. Moi, il me semble que d'abord, il faut qu'on parle de l'histoire de la date du 25 mai. Comment la date du 25 mai est arrivée? Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était le 25 décembre. Et on a essayé de rejeter cette date. Cette date n'a pas de fondement. Donc maintenant, il faut que nous apportons une vérité là-dessus, une nouvelle date. La date maintenant qu'on apporte, c'est la date du 25 mai. Donc Jésus-Christ est né le 25 mai. Alors nous allons parler pourquoi il est né le 25 mai. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Tout à fait. Avant d'arriver à la naissance de Papa Dalumwane, il faut qu'on parle d'abord de l'historique de la date du 25 mai. Et pourquoi Jésus-Christ est né le 25 mai? Pourquoi nous soutenons que Jésus-Christ est né le 25 mai? Est-ce que nous avons des preuves là-dessus? Oui, c'est ça. Puisqu'avant d'arriver à Papa Dalumwane, nous savons que Jésus-Christ est venu. Dans sa première venue, il est venu quelle date? Puisque là, maintenant, on a rejeté la date du 25 décembre. Maintenant, il faut que nous apportons. Puisqu'on rejette quelque date. Chose, il faut apporter une solution. Ce n'est pas seulement qu'on rejette et on n'apporte pas une solution. Mais quand on rejette quelque chose, il faut que nous apportons notre solution. Et la solution que l'Église qui manque apporte, c'est celle de la naissance de Jésus-Christ qui est au 25 mai. Donc, c'est la véritable date de la naissance de Jésus-Christ. Mais il faut que nous partons, nous remontons un peu l'histoire pour voir que cette date du 25 mai, ce n'est pas une date qui a été prise hasardement. Si Jésus-Christ est né le 25 mai, ce n'est pas une date hasard, mais c'est une date qui date depuis longtemps. C'est une date qui est au début même de l'histoire de l'humanité. Tu vois ça? C'est une date qui est au début même de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pour ça que je dis que nous allons faire l'historique même de la date du 25 mai. Très bien. La fois passée, quand j'ai fait mon émission sur la date du 6 avril, vous allez voir que la date du 6 avril et la date du 25 mai sont en relation. Quoi. Je vous ai dit que Dieu a créé le premier homme le 6 avril. Adam a été créé le 6 avril. C'était le jour de la création d'Adam. Or, il y avait également une idée qui se faisait anciennement, qui est celui qui est venu pour racheter les péchés de l'homme,
devait aussi mourir les jours de la création de l'homme. C'était cette idée-là. C'est-à-dire que celui qui est venu pour essayer de racheter l'homme devait mourir les jours de la création de cet homme-là. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est venu pour racheter l'homme devrait mourir les jours de la création d'Adam. Et Adam est écrit le 6 avril, d'où implicitement. Donc Jésus-Christ est mort également le 6 avril. Or, que le premier qu'il a, c'est quoi? Vous avez dit Jésus-Christ était mort le 6 avril. Jésus-Christ est mort le 6 avril. C'est ça. Et sa première venue? Jésus-Christ est venu le 25 mai. Mm-hmm. Maintenant, je suis en train de vous dire qu'il faut que nous remontons le temps pour situer la date du 25 mai dans l'histoire de l'humanité. Oui. Et je dis qu'ici, Adam, donc Adam a enfreint la loi le 25 mai. Donc l'incident du péché a eu lieu le 25 mai. Alors, c'est pour cela même les motifs de la venue de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est venu à cause du péché d'Adam, oui, c'est à cause du péché d'Adam que Jésus-Christ est venu. Puisque Adam a commis le péché le 25 mai. Donc cet incident est arrivé. L'incident du péché est arrivé le 25 mai. C'est la déchéance même de l'homme. C'est la raison pour laquelle que vous allez voir que Dieu, quand il va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, puisque les enfants d'Israël sont entrés en Égypte à cause du péché d'Abraham, qui n'a pas respecté l'ordre de Dieu. Et quand Dieu va faire sauter les enfants d'Israël en Égypte, il choisit également la date du 6 avril, qui est une date antérieure. Et c'était le 25 mai que Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Pourquoi le 25 mai? Puisque Dieu savait que c'est le 25 mai que leur ancêtre Adam a péché. Maintenant, il fallait qu'il donne à l'humanité une autre loi maintenant. Vous voyez maintenant, puisque depuis que Adam a péché, Dieu n'a pas donné une autre loi à l'humanité. Maintenant qu'il a choisi un peuple, maintenant qu'il a choisi un peuple à lui, qu'il veut amener quelque part là, il prend ce peuple, il leur donne une loi. Et c'était le 25 mai que Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Donc la promulgation de la loi a eu lieu le 25 mai en rapport de la loi qui a été bafouée le 25 mai par notre ancêtre Adam. Avons-nous des preuves justement de cette... Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est très simple. La fois que j'ai parlé de ça, c'est-à-dire que la plupart des historiens disent qu'on sait, on le sait, la sortie des enfants d'Israël a eu lieu le 6 avril. Et quand on vous parle de la Pentecôte c'est quoi? La Pentecôte, le mot Pentecôte, c'est un mot grec qui dit tout simplement 50. Et dans la Bible, c'est bien mentionné. Il faut commencer à compter à partir de cette sortie-là 50 jours. Et le 50e jour tombe le 25 mai. D'ailleurs, c'est ça qu'on dit, mais c'est la fête même des prémices, où on offre les premières récoltes. Tu vois ça? Et c'est la première même Pentecôte. C'est la première Pentecôte. C'est bien écrit dans la Bible. Lisons très bien la Bible. Le 25 mai, c'était le jour où Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Et c'était le 50e jour quand vous sortez le prix du 6 avril. À partir du 6 avril, si vous commencez à compter 50 jours, le 50e jour tombe le 25 mai. Mais, vous voyez par exemple l'église romaine, qu'est-ce qu'elle a fait? L'église romaine a changé cette date. L'église romaine tient compte, il fait cette date en tenant compte du jour de la semaine. Mais l'église qui ne fait pas de la même manière. L'église qui suit l'histoire comme elle était dans la Bible, on le fêtait au 40e du mois et non au 40e de la semaine. C'est pour ça que nous avons vu, par exemple, qu'on a fêté lundi de Pâques. Lundi de Pâques, c'était dimanche. On l'a fêté lundi. Pourquoi lundi? Tu vois ça? Alors que du 6 avril jusqu'au jour qu'ils ont fêté la Pâques, ce n'est pas 50 jours. Le 50e jour va tomber samedi. C'est samedi, ça sera le 25 mai. Quand vous comptez à partir du 6 avril, 50 jours, vous allez tomber. Le 50e jour va tomber ce samedi-là. C'est samedi d'aujourd'hui. C'est samedi d'aujourd'hui-là, ce sera le 25 mai. Donc, c'est le jour de la promulgation de la loi. Et dans la loi judaïque, ils disent ça, c'était les 6 suivants. D'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, vous allez le trouver. C'est très facile de le trouver dans la Bible. Et d'ailleurs, c'est pour cela même quand j'étais en Kamba, à l'entretien que Papa Simon m'a accordé, j'étais avec Papa Zako, avec Papa Mbenza, on a souligné ces passages-là. Et quand j'étais en train de parler sur ça, c'est le moment où Papa Mbenza apparaît. Il dit que Papa Mac, ce qu'il a trouvé, c'est ce que Papa Djangien a demandé aux ecclésiastes, à nos Bamuta, aux autorités de l'Église, qui regardaient bien dans la Bible, la date du 25 se trouve dans la Bible. Et ça, c'est Papa Mbenza qui m'a dit ça. Le témoin, on était avec Papa Zako, Papa Simon était là. Et c'est là que Papa Simon a dit que ce que vous avez trouvé, Papa Mfumalong a demandé ça aux Bamuta. Vous voyez ça? Et là, je vous dis que bon, on viendra là, je vous dis encore pas mal de choses là-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Et les recherches, même les recherches que j'ai fait moi, par exemple, ça montre que les 6 suivants tombaient le 25 mai. Et les auteurs de l'art de vérifier les dates, qui ont écrit un ouvrage en chronologie qu'on appelle l'art de vérifier les dates, et les faits historiques, et les chartes, ils l'ont bien mentionné. C'est bien mentionné. Il y a également un savant qui a fait une recherche là-dessus. Il a trouvé que c'était les 6 suivants. Mais quand vous faites cette correspondance avec la calendrier hébreu et la calendrier pour le moment, vous allez voir que le 50e jour tombe sur le 25 mai.
C'est ça exactement. Il n'y a pas même de discussion là-dessus. Il n'y a pas de discussion là-dessus, puisque je ne suis pas le seul qui a fait cette recherche-là. Mais il y a d'autres autorités, même dans le judaïsme, il y a pas mal des écrivains qui ont fait cette recherche-là. Donc c'est ça, le 25 mai tombe, c'était le jour que Dieu a promulgué la loi sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, donc on parle bien les 10 commandements de Moïse. Voilà, et c'est ces jours-là que des enfants d'Israël ont demandé à Dieu de leur envoyer un. Puisque quand Dieu a parlé le 25 mai, ils ont eu peur. C'est pour la première fois qu'ils ont vécu cet événement-là. Mm-hmm. Moïse même en parle dans la Bible. Mais Dieu dit ceci, dis-le qu'ils ne s'en tiennent pas. Moi, je sais, je vais leur envoyer un prophète comme Moïse. Dieu dit que je vais envoyer un prophète comme toi quand ils vont arriver sur la terre de Jérusalem. C'est le jour même que Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël de leur envoyer un prophète comme Moïse. Donc c'est une naissance même verbale même de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui a introduit Jésus-Christ dans l'histoire. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu il a introduit la naissance de Jésus-Christ. Exact, mais c'était le 25, mais le jour que les enfants d'Israël ont obtenu la loi. C'est ce jour-là. Lisez bien la Bible, Dieu dit que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Il leur dit que quand ils vont arriver sur la terre de Jérusalem, je vais leur envoyer un prophète comme toi. Donc, la personne dont Dieu a introduit, c'était la venue de Jésus-Christ. Et c'était le 25 mai. Donc, c'est pour cela même dans 18, c'est ça qu'on appelle l'épiphanie. Donc, c'était une apparition verbale. Donc, verbalement, Dieu a introduit Jésus-Christ. Or, on dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole s'est fait chair. Donc, à partir du moment où Dieu dit que quand ils vont arriver sur la terre d'Israël, je vais leur envoyer un prophète comme Moïse. C'est-à-dire que c'est une naissance verbale de Jésus-Christ. Et cette naissance, c'était le 25 mai. C'est pour cela, quand on va arriver sur cette terre, Jésus-Christ va naître le 25 mai. Ça. Pourquoi Dieu l'a fait? Pour que les enfants puissent se souvenir qu'il y a une promesse qui leur a été faite par Dieu. Oui. Le même jour-là du 25 mai. Souvenez-vous de ces jours-là. Puis ces jours-là, Dieu leur a fait une promesse, le 25 mai. Que quand vous allez arriver dans la terre d'Israël, je vous enverrai un prophète qui est comme Moïse. Et ces jours-là, c'était le 25 mai qu'il leur a fait cette promesse. Et Dieu, comme ce n'est pas un Dieu menteur, qui réalise toujours sa parole, il a réalisé sa parole à la même date du 25 mai. À la date même du 25 mai. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir tout de suite, juste après cette courte pause. La régie, à vous. Merci à la régie pour cette courte pause. Nous revenons avec notre invité, Papa Diacre Luko Kimayala. Papa, vous nous avez bien expliqué la date du 25 mai. Et là, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur ma question de tout à l'heure, sur la personne de Papa Dialunga Nakiangani. Aujourd'hui, l'Église kimbanguiste les célèbre en tant que Jésus-Christ dans sa seconde venue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la personne de Papa Dialunga et sur cette date du 25 mai étant la date de la naissance de Jésus-Christ? Merci pour la question. Je vais souligner une chose là, à ceux qui nous suivent aujourd'hui, puisque la plupart des gens confondent le second avènement de Jésus-Christ et la fin du monde. C'est deux choses différentes. Le second avènement de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin du monde. Voyez? Et si nous parlons du second avènement de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ, et pour l'Église qui manie, c'est Jésus-Christ qui est retourné, c'est la personne du Papa Dialungana. Nous ne sommes pas les seuls là-dessus. Je vous présentais un ouvrage aujourd'hui, c'est marqué là, les retours du Christ. Donc, ces gens ne sont pas des kimbanguistes, mais ils savent bien que Jésus-Christ va retourner. Et ces retours, ce sera un retour physique, en personne comme tel. Ce ne sera pas un retour abstrait ou bien imaginaire, non. C'est un retour physique. Ils disent là-dedans que Jésus-Christ va revenir physiquement parlant. Et là, il écrit clairement. Ça, c'est un autre auteur. Nous avons trouvé également un deuxième auteur. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas porter tous ces ouvrages ici, là. Celui-ci également mentionne la même chose. Il dit que c'est Jésus-Christ que vous attendez est déjà arrivé. Il est là avec nous. Ce sont deux auteurs différents. Mais on en a beaucoup trouvé. On ne pouvait pas apporter tout ceci. Et l'Église qui m'a soutient aujourd'hui que les Christ qu'on attendait,
Le second Jésus qu'on attendait, c'est à la personne du papa d'Ialunga. Il est né également le 25 mai. Ceci, donc, c'est une vérité. Quand nous disons cela, nous ne sommes pas les seuls. Je vous donne par exemple la personne de Jean-Paul II. Jean-Paul II a annoncé également cet événement. Il a annoncé ça d'une façon un peu cachée, mais il savait pourquoi il a fait ça de cette manière-là. Puisque ce second événement, quand on vous parle par des mystères de Fatima, le mystère de Fatima n'est autre que le second événement de Jésus-Christ. Ça, c'est clair, et c'est clair. Et Jean-Paul II, quand il part en Afrique, dit que Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Là, il a annoncé la personne du papa d'Alungana. Et moi-même, je sais que Jean-Paul II a parlé même du papa d'Alungana, mais d'une façon un peu cachée. Je vais revenir là-dessus. Donc, pour l'église humaniste, le second avènement de Jésus-Christ a eu lieu. Et ça, c'est clair. C'est à la personne du papa d'Alungana qui est né le 25 mai. Pourquoi le 25 mai, comme je dis tout à l'heure? Dans Ecclésiaste chapitre 3, 15, on dit ceci. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez? Donc Dieu nous a ramené cette date du 25 mai. C'est une date qui existe depuis longtemps. Ça existait depuis l'histoire de l'humanité. Il a ramené, puisque nous avons perdu le souvenir. Et papa d'Alungana, c'est effectivement notre... c'est lui, c'est en lui qui s'est incarné, la personne de Jésus-Christ. C'est bien lui. Papa, vous nous avez dit que Jean-Paul II, il a bien expliqué, ou il a bien mentionné, mais de façon cachée. Mais pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens ont tant du mal à accepter cette vérité? Mais c'est toujours comme ça. Quand Jésus-Christ est arrivé dans son premier avènement, il n'a pas été reconnu par tout le monde. Même cet écrivain l'a dit. Quand il était venu, tous les juifs, tous les gens qui existaient à cette époque-là, n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Il y avait seulement une minorité qui a reconnu Jésus-Christ. C'est une minorité. C'est la même chose aujourd'hui. Il est revenu, il y a toujours une minorité qui a reconnu Jésus-Christ. Et là même, cet auteur dit, quand il va revenir, ça sera la même chose. Ce n'est pas tout le monde. Les gens attendent peut-être que quand Jésus va venir, il va apparaître au ciel, tout le monde le verse. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il va revenir. Il est revenu comme il était venu. De la même manière qu'il est parti au ciel, c'est de la même manière qu'il est revenu. Papa, donc, vous avez dit, justement, désolé, je vous coupe rapidement, parce que cette question-là, vous avez dit, il est revenu de la même façon. Donc, dans sa première venue et la seconde venue, il y a des similarités dans sa vie, en tout cas, qu'il a menée dans sa première venue et la deuxième. Mais nous connaissons que Jésus-Christ, dans sa première venue, n'avait pas de femme ni d'enfant, il n'avait rien laissé. D'ailleurs, même sa naissance, sa mort, nous ne savons même pas où il était enterré. Nous n'avons pas le corps, nous n'avons rien du tout, en tout cas, de Jésus-Christ, de tangible, qui est resté dans sa première venue. Mais par contre, dans sa seconde venue, papa d'Ialungana, il était marié, il a des enfants. Et aujourd'hui, nous parlons encore de papa d'Ialungana et de sa descendance. Mais comment pourriez-vous justement nous expliquer même cette différence, mais en même temps vous associez ces deux personnages qui nous semblent d'un point de vue extérieur un peu différents, je dirais. Ce n'est pas vraiment d'un point de vue différent. Donc, Jésus-Christ, quand il est venu pour la première fois, il avait une mission avec lui. Il avait une mission. Et cette mission, il l'a accomplie. Il devait revenir également pour construire la nouvelle Jérusalem. Ça, c'était sa deuxième mission. D'ailleurs, même dans ce livre-là, où je pouvais faire, en lisant ce passage-là, c'est ça. Il est venu pour reconstruire la nouvelle Jérusalem, puisqu'on dit que la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel sur la terre. Et Jésus-Christ devait revenir sur cette nouvelle Jérusalem. Mais pourquoi il n'a pas donné naissance? Puisque si Jésus-Christ aurait dit se marier et donner naissance à un enfant, cet enfant serait qui? L'enfant que Jésus-Christ aurait donné naissance serait qui? C'est le Saint-Esprit. Or, le moment n'était pas venu pour que le Saint-Esprit puisse venir. Ce n'était pas encore le temps. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, effectivement, il a accompli sa mission. Sa première mission, c'était la résurrection. Il a accompli cette mission. Mais maintenant, il fallait construire la nouvelle Jérusalem. Puisque dans la Bible, on dit que la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel sur la terre. Or, si dans la première Jérusalem, il y avait Jésus-Christ, et dans la seconde Jérusalem, il doit y figurer également Jésus-Christ. Et l'Apocalypse le précise très bien. Il le précise très bien. Donc, je vais dire ceci, puisque souvent, on ne comprend pas. Ce qui s'est passé, le mystère de Fatima, n'est autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Jean-Paul II tenait beaucoup à cela. Puisque quand il a demandé au Vatican qu'on lui donne l'enveloppe qui contenait les secrets de Fatima, on lui a donné l'enveloppe, il a lu l'enveloppe et il a demandé au Vatican de lire cette enveloppe, de lire ces secrets-là. Malheureusement, le Vatican n'a pas voulu accepter ça. Ils ont fermé l'enveloppe, ils l'ont remis là où ça se trouvait. Et Jean-Paul II s'est donné la tâche de dire ça d'une façon autrement. Il ne pouvait pas le dire clairement comme ça, puisqu'il est sous peine d'être un peu, de subir un peu de quelques. Quelques d'avoir un problème avec l'Église catholique.
Mais il l'a fait d'une façon un peu cachée. Mais bien qu'il l'a fait d'une façon cachée, en fait, nous avons trouvé que Jean-Paul II était victime de l'assassinat. Jean-Paul II a pris le chiffre 2. Pourquoi il a pris le chiffre 2? C'est là vraiment que les gens doivent aller en profondeur. Pourquoi Jean-Paul II a pris le chiffre 2? Puisqu'il annonce le second avènement de Jésus-Christ. Et ça, c'était vraiment, il a pris un risque là. Puisqu'il a pris des noms, Jean et Paul. Or, dans la Bible, c'est Jean qui nous donne la révélation sur le second avènement de Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est un livre de Jean. Et Jean nous dit que Jésus-Christ viendra pour la seconde fois. Et Jean-Paul va prendre le nom de Jean, tout simplement, pour nous annoncer cela. Il va prendre également le nom de Paul. Paul, c'est un personnage qui a fait beaucoup de voyages, vous voyez, pour divulguer le message de Jésus-Christ. Donc, c'est significatif. Quand Jean-Paul II a pris les chiffres 2, c'est pour dire seulement qu'il a annoncé le second avènement de Jésus-Christ. Et Jean-Paul II, quand il est parti en Afrique, et puis Jean-Paul II a fait deux voyages au Congo. Pourquoi il a fait deux voyages au Congo? C'était aussi significatif, mais les gens ne savent pas ça. Il a fait deux voyages au Congo. Moi-même, je suis témoin oculaire. Une fois que je suis parti en Kamba, j'ai rencontré un pasteur kimbanguiste, une autorité kimbanguiste, la personne de Papa Soumbé. Et un entretien que Papa Soumbé a accordé à Brazzaville, il m'a dit ça. Puisqu'on a fait essayer d'échanger avec lui. Moi, je lui ai parlé de ce livre à Papa Soumbé. Il y a un livre qu'on appelle La Nouvelle Jérusalem. C'est ce livre que j'ai parlé à Papa Soumbé. Quand je lui ai parlé de ce livre-là, Papa Soumbé a tenu bon que je lui envoie ce livre-là. Il dit, bon, il n'y a pas de quoi. Une fois que je rentre en France, je fais le nécessaire pour vous envoyer ce livre-là, La Nouvelle Jérusalem. Et Papa Soumbé, de sa part, il m'a raconté cette visite qu'il a fait avec Jean-Paul II. Il m'a dit, à un certain moment, je suis parti. Papa Daniel m'a envoyé. C'était dans une conférence, dans une rencontre qui m'unit, quoi. Et il a rencontré le pape Jean-Paul II. Et quand il a rencontré le pape Jean-Paul II, c'était la stupéfaction de tout le monde. Quand vous rencontrez le pape un pape quoi, catholique, vous n'avez pas le temps de lui parler, surtout quand vous êtes nombreux. Vous lui saluez, vous vous présentez et vous passez. Et quand il est arrivé à son tour, Papa Soumbé salue Jean-Paul II. Jean-Paul II l'a retenu. Il a lancé une longue conversation avec Papa Soumbé. Et dans cette conversation, Jean-Paul II demande la santé de Papa Dialungana. Il lui dit, comment va Papa Dialungana? Et Papa Soumbé lui dit, oui, il se porte bien. Après, ils ont fini leur entretien. Et Papa Soumbé était un peu surpris. Mais comment Jean-Paul II doit me demander la santé de Papa Dialungana? Alors que c'est Papa Dialungana qui était chef spirituel. Il aurait dû me demander la santé de Papa Dialungana. Parce que c'est lui le chef spirituel qui m'a envoyé en cette mission-là. Mais comment Jean-Paul II m'a posé la question de s'enquérir de la santé de Papa Dialungana? Et il a compris là-dedans. Donc Jean-Paul II savait qui est Papa Dialungana. Il le savait très bien. Et ça, c'était vraiment la stupéfaction de Papa Soumbé. Papa Soumbé m'a dévoilé ça. Il m'a dit ça. Et Papa Mac, Jean-Paul II m'a demandé comment va Papa Dialungana. Et moi, je me suis étonné comment il a prononcé le nom de Papa Dialungana. Alors qu'à l'époque, c'est Papa Dialungana qui était chef spirituel. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, Jean-Paul II a pris ce risque. Et le comble, c'est quoi? Jean-Paul II était victime d'un assassinat. En quelle date? C'était le 13 mai. Pourquoi la date du 13 mai? C'était en 1917. Et Papa Dialungana est né le 25 mai 1916, donc à presque à quelques jours de l'anniversaire de Papa Dialungana. Et pourquoi ces modes d'opération? Pourquoi ils ont joué la date du 13 mai? Puisque les enfants de Fatima, Marie, quand elle est venue, elle a annoncé cette naissance de Jésus-Christ un certain 13 mai, quand il a dit que dites au monde qu'ils arrêtent de faire souffrir l'enfant qui est né. Puis dans l'Apocalypse, il dit bien que les rois de la terre se sont réunis pour mener un combat avec l'enfant qui était né. Ils sont unis avec la bête de l'Apocalypse. Et à cette époque-là, c'était les rois de la terre qui étaient dans la franc-maçonnerie. C'était des rois de la terre dans la franc-maçonnerie. Et ils ont fait une alliance avec la bête de la terre. Donc, ils en voulaient à l'enfant qui était né. C'est pour cela que le message de Marie était clair. Que dites au monde qu'ils arrêtent de faire tourmenter l'enfant. Et c'était les 13 mai. Vous voyez, c'était le 13 mai. Et qu'est-ce qu'on va constater? Dans la suite, Jean-Paul II, quand il va divulguer ces secrets-là, c'était les 13 mai qu'il était victime de l'assassinat. Et ça, c'est un mode opératoire de l'Occident. Mais on a compris là-dessus qu'ils en voulaient à Jean-Paul II. Puis Jean-Paul II a fait sortir cette vérité qu'il a lue dans le secret de Fatima et que l'Église a refusé de le lire publiquement. Et Jean-Paul II, il a choisi un mode quoi, pour l'annoncer au monde entier. Il a presque choisi l'anonymat. Mais bien qu'il a choisi l'anonymat, l'Église catholique a compris. C'est pour cela qu'il était victime de cet assassinat. Et qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte, Jean-Paul II? Il a pris la balle qu'on a fait sortir de son corps et il a confié ça à l'Église de Fatima. Donc ça, c'est une réponse que Jean-Paul II a donnée au monde entier pour dire que si j'étais victime de l'assassinat, puisque j'ai annoncé le message de Fatima, qui est la seconde venue de Jésus-Christ, et il a confié cette balle à l'église de Fatima. C'est un message qu'il a donné au monde entier. Pour nous dire tout simplement que voilà que
J'étais victime de l'assassinat à cause du message de la seconde, du second avènement de Jésus-Christ que j'ai annoncé au monde, bien qu'il a fait, enfin, qu'il a annoncé d'une façon un peu cachée. Il était victime de cela. Et il savait bien que l'Église catholique n'est pas vraiment là-dessus. Il badine pas là-dessus. C'est de la même manière quand ils ont, par exemple, ils ont livré Galilée à l'Inquisition. C'est la même manière quand ils ont livré au bûcher Jordan le Bruno. C'est ça l'Église catholique. Mais aujourd'hui, cette vérité, elle est là. Donc, nous connaissons très bien que le mystère de Fatima n'est autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, papa, vous nous avez parlé du coup là de la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, est-ce que les Kimbanguistes attendent justement une troisième venue ou Jésus-Christ est déjà revenu? Là, nous attendons que la fin du monde finalement. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre la seconde venue de Jésus-Christ et la fin du monde. Papa Dalungwana, c'est en lui que s'est réalisée la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, le Jésus-Christ que le monde attend aura la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Quand on dit la fin, c'est la fin du monde. Mais là, ce n'est pas la fin du monde. La deuxième venue de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir cette mission de construire la nouvelle Jérusalem. Y aura-t-il un autre Jésus-Christ, du coup, dans la troisième venue? Parce que le monde attend, même les Kimbanguistes. C'est-à-dire la troisième venue de Jésus-Christ sera la fin du monde. Ce sera la fin du monde, puisque Jésus-Christ est devenu. Sa seconde venue, c'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est ce que Jean a annoncé. Vous voyez? Oui. C'est sa seconde venue. Mais la troisième venue de Jésus-Christ, ça m'a fait, je ne sais pas. Mais sinon, la seconde venue, c'est cette venue qui s'est réalisée à la personne du papa Dalungwana. Et quand nous entendons papa Simon Kimbong Kiangani, il le dit souvent, et que Jésus-Christ reviendra et nous jugera avec les commandements de Moïse, les 10 commandements de Moïse. Et vous nous avez bien expliqué au départ que ces commandements-là ont été donnés le 25 mai, en lien justement avec la naissance de Jésus-Christ. Pensez-vous vraiment qu'il y ait, disons, un lien entre la naissance de Jésus-Christ et pourquoi l'Église kimbanguiste, les commandements sont si importants? Pourquoi les commandements sont même le fondement de cette Église? Mais c'est normal que les commandements soient les fondements de cette Église. Puisque qu'est-ce qui est la base des souffrances de l'homme? C'est les commandements. On a bafoué les commandements. Notre ancêtre a bafoué les commandements. C'est à partir de ce moment que la souffrance est entrée dans l'histoire de l'humanité. Tu vois ça? C'est par là. Puisque à partir du moment où notre ancêtre a bafoué les commandements qu'on lui a donnés, à partir de ce moment-là, le monde était bouleversé. Il a compromis l'évolution de l'humanité. C'est pour cela qu'il faut en tenir aux commandements. Puis c'est les commandements qui sont la base de notre souffrance. Si l'Église ne manque pas laisser ça, c'est pour ça que l'Église tient beaucoup sur les commandements, puisque c'est les commandements qui sont à la base de notre souffrance. C'est les commandements qui font que Jésus-Christ puisse venir sur la terre. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu là. Si notre ancêtre n'avait pas enfreint la loi, Jésus-Christ ne serait pas là. La présence de Christ sur la terre, c'est à cause de la loi qui était enfreinte. C'est la déchéance même de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'Église tient beaucoup aux commandements. Ça, c'est fondamental même. C'est fondamental. C'est le commandement qui fait notre spiritualité. À partir du moment où notre ancêtre a commis le péché, les liens spirituels étaient coupés entre Dieu et l'homme. Vous voyez? Tout à fait. Que Jésus-Christ vient pour réparer la faute qui a été commise par notre premier ancêtre. D'où c'est la raison pour laquelle, d'où les commandements, vraiment, il faut en tenir sur les commandements. Tout à fait. Ben, merci, papa. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Pour nos téléspectateurs, nous disons ceci que... La réalité, elle est là. Aujourd'hui, on annonce au monde que la venue de Jésus-Christ est déjà accomplie. Nous avons des auteurs qui ne sont pas des kimbanguistes, qui sont dans d'autres confessions. D'autres sont des bouddhistes même. D'autres sont même des historiens de la science. Mais qui ont fait une analyse, qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de la Bible. Et qui, de leur point de vue, est que Jésus-Christ est déjà retourné. Mais par contre, ils sont dans la recherche. Il est où? Il est à quel endroit? C'est les recherches maintenant qui présupposent maintenant. Mais sur le problème du retour de Jésus-Christ, la plupart des chercheurs que nous avons abordés, ils nous disent que Jésus-Christ est de retour. Même les Swedenborgeois, Swedenborgais par exemple, c'est lequel qui se livre, Emmanuel Swedenborg, c'est un grand philosophe suédois. Et aujourd'hui, les Suédois viennent en Kamba pour palper cette vérité. Puisque lui, dans ses livres, qu'est-ce qu'il a dit? Jérusalem va fleurir en Afrique. La nouvelle Jérusalem va fleurir en Afrique. Il dit également que l'Afrique a reçu une nouvelle révélation. Qui dit nouvelle révélation, qui dit venir de Jésus-Christ, vous voyez, venir du Saint-Esprit. Donc les Suédois, maintenant, ils ont compris que la nouvelle Jérusalem, que leur savant philosophe Emmanuel Swedenborg a parlé, c'est cette Jérusalem qui se trouve aujourd'hui en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui en Afrique, on reçoit les Suédois, on reçoit les Européens, on reçoit toutes les nations du monde viennent en Kamba. Et ça, c'est une prophétie qui se réalise. Mais la question que je vais poser, c'est celle-ci. Nous, les chrétiens, nous devons poser la question...
au peuple juif. Le peuple juif attendait le Messie. Ils ont dit que le Messie viendra, quand le Messie viendra, ils seront libérés. La délivrance d'Israël est associée à la venue du Messie. Maintenant, posons la question au peuple juif, au judaïsme, qui nous montre Jésus-Christ. Jusque-là, ils disent aucun mot sur la personne de Jésus-Christ. Alors, ils sont délivrés. Jérusalem a fait Israël appeler l'indépendance. Mais cette indépendance vient de qui? Mais qu'il nous montre aujourd'hui Jésus-Christ, puisque l'avènement du Messie était en rapport avec la délivrance de Jésus-Christ. Il disait que quand le Messie viendra, Israël sera délivré. Mais quand il est venu pour sa première venue, Israël n'a pas accepté ce Messie-là. Bon, maintenant, Israël est indépendant. S'il est indépendant, ils doivent nous montrer Jésus-Christ. Une autre question qui revient maintenant aux chrétiens, cette indépendance de l'Israël, à quoi devons-nous associer? Puisque cette indépendance d'Israël, la délivrance d'Israël, c'est un événement théologique. Quel événement théologique allons-nous accorder à cette indépendance d'Israël? Puisque pour nous, les chrétiens, Jésus-Christ est déjà venu. C'est un événement théologique également. Maintenant, c'est la délivrance d'Israël qui est associée à la venue de Jésus-Christ. À quel événement théologique allons-nous accorder ça? C'est pour ça que cet auteur a dit que c'est la parousie, c'est-à-dire que c'est le second événement de Jésus-Christ. Donc nous, les chrétiens, devons poser la question à Israël, qui le montre Jésus-Christ. Puisque les peuples juifs qui étaient dispersés, maintenant ils sont revenus sur leur terre, Israël. Or, cette délivrance, on l'attribue au Messie. Et même disait que quand le Messie viendra, nous serons délivrés. Quand il est venu pour la première fois, Israël n'a pas accepté ce Jésus-là. Mais maintenant qu'ils sont délivrés, qu'ils ont obtenu l'indépendance, je rappelle bien, Israël a obtenu son indépendance le 14 mai. Le 14 mai, toujours au mois de mai. Et qui a délivré Israël? Maintenant, moi, la question que je pose au peuple juif qui nous montre Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Puisqu'ils sont délivrés maintenant, ils sont indépendants maintenant. Mais ils sont muets, c'est la présence de Jésus-Christ. Mais c'est eux qui nous disaient que quand le Messie viendra, nous serons délivrés. Maintenant, ils sont délivrés. Donc, je demande à Israël qu'il nous présente le Messie. C'est ma question. Toutes ces bonnes questions, nous espérons avoir pour la prochaine fois l'opportunité de pouvoir y répondre avec notre invité, Papa Diak. Papa, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ici dans notre émission. Nous espérons vous revoir à la prochaine et pouvoir discuter de toutes les questions que vous nous avez posées. C'est moi qui vous remercie. Merci encore, papa. Nous arrivons à la fin de notre émission. Un grand merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous remercions aussi sa divinité, Papa Simon Kimba Nkiangani, le patron de cette 4e génération, et tous ses conseillers directs. Nous remercions aussi le pasteur paroissial, Papa Nkazi Etienne, et nous remercions aussi toutes les personnes qui nous soutiennent. Nous dirons un grand merci à maman Joséphine Matondo, la femme de papa Nadi Kouzoulou. Maman, un grand merci à vous. À maman Dovel Nzouzi, à papa Zachary Matondo, papa MK là-bas en Belgique, papa un grand merci à vous, papa Jean Robert en Hollande, papa Capita, papa Diacre Capita Patrick, papa merci à vous, à maman Kabibi Miesi, à maman Joël Chaïda, maman un grand merci à vous, à maman Rosette Tenda et à papa Paulin. Papa, le mari de maman Rosette, papa, le bonjour. À maman Bibi à Ivry, la femme de notre invité, papa Mac Mayala. Maman Kabibi, bonjour à vous. À maman bébé Nzaza. J'étais qui sans toi, maman, bonjour. Un grand merci aussi à papa Jacques Kikobo, papa Kunana MSSK, papa. Un grand merci à vous. Merci à maman José Mbujingi. Maman Bolimbi, c'est ce qu'on a prononcé un peu mal, mais bonjour à vous. Et à maman Louise, qu'on a la MSSK. Maman Babizunayo, Mbote Mingi. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, la presqu'île Saint-Denis officielle. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager nos vidéos. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Au revoir. Merci, papa.